amai, Yesu mukunzi ya Kongo, musisa ya bulamu ya mabota. Kongo na yo bendele ya elunga, ezala kalisa pote, bila kazambe na bomoi, Kongo na biso bokomolai. Voici une fois de plus, nous sommes là pour vous présenter cette émission. Aujourd'hui, nous sommes à Lualaba, dans la ville de Kolwezi, où nous allons recevoir un haut cadre du PPRD qui n'est pas encore présenté, mais c'est M. Mumo Mounabou. Il est communicateur de la majorité présidentielle, et même au niveau du PPRD, même au niveau du gouvernorat de la province du Lualaba, à qui je dis déjà bonjour et bonsoir, M. Mumo. Bonsoir, je suis communicateur du PPRD, communicateur de la majorité, gouvernement, je ne crois pas. Il ne faut pas me donner des compétences que je n'ai pas. Ça va, il s'est présenté, vous avez compris. Avec lui, nous allons parler un peu de l'actualité politique de notre pays. Monsieur Mumo Mounabou, comment se porte notre pays sur le plan politique? Notre pays, la RDC, se porte bien. Elle se porte bien dans la mesure où... En elle, nous plaçons les semences d'un avenir meilleur pour vous que moi et ceux qui me suivent, nous travaillons à sa réalisation. Oui, comme vous avez dit, notre pays évolue bien, mais avant d'arriver au niveau du pays, je veux qu'on rentre encore à Kolwezi, puisque c'est là que nous sommes présentement. La ville de Kolwezi, comment elle se porte sur tous les plans, sécurité, politique, sociale et autres, monsieur? Le peuple de Kolwezi a compris une chose, c'est que son avenir et son bonheur, c'est à lui de le fabriquer. C'est pas quelqu'un qui viendrait d'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui dicterait le bonheur de Kolwezi à partir de quelque part. C'est à nous, Kolwéziens, de travailler à la réalisation des objectifs de notre ville, dans cette ville. Est-ce que réellement la sécurité à Kolwezi, elle est rassurée, ou bien c'est comme d'habitude qu'on a arrêté des bandits? Puisque vous vous rappellerez qu'il y avait des bandits qu'on présentait au gouvernement, où vous êtes cadre ou agent, on a présenté beaucoup de bandits. Ces phénomènes-là continuent encore, ou bien il y en a toujours qui gardent encore les armes? Non, le banditisme, c'est vrai qu'Kolwezi, malgré tout ce qu'il y a comme combat au sein de la RDC, Kolwezi n'a pas été le théâtre des affrontements. Ce qui fait que les armes, les quelques armes qui étaient ici, c'était des armes qui venaient des champs des opérations militaires. Quand il y a des militaires qui meurent ici, c'est là, hein, des affrontements, il y a aussi des malfrats qui en profitent pour ramasser. La guerre, le grand banditisme comme tel à Kolwezi, était lié plutôt à un phénomène de migration. Ce n'était pas des Kolwéziens de souche. Et plus on a parlé avec les Kolwéziens de souche, c'est-à-dire ceux qui sont implantés, qui ont famille, femmes et enfants ici, ils ont compris que ce n'était pas dans leur intérêt d'héberger des personnes dont la vie était suspecte, des personnes qui dormaient toute la journée et qui ne sortaient qu'à 17h. Hein, et qui sortaient avec des sacs, et puis qui revenaient à 1h du matin pour repartir, revenir à 4h. Donc les gens ont compris ça et très vite la population s'est mobilisée. L'insécurité a été mise en déroute. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ce que vous dites, puisque nous voyons, quand on rentre encore, on fait un pas en arrière, nous voyons que Kolwezi était le fief de l'IFERI à l'époque. Aujourd'hui, nous savons que parmi les pionniers de l'IFERI, il y a les Bakatou Tatakar, qui n'est plus à la majorité présidentielle, mais nous savons qu'à l'époque, c'est Kolwezi. Où il faisait encore sa force. Et comment maintenant, avec qu'il est maintenant opposant, et Kolwezi qui est son fief, comment vous trouvez cela? Qui n'a jamais eu de fief à Kolwezi? Nous le savons quand l'IFERI a travaillé à l'époque, c'est. Il n'a jamais eu de fief à Kolwezi. Kungu a ses adhérents, le plus grand nombre se trouve à l'Otubashi. Ici, à Kolwezi, il venait au nom de. Qu'il était provincial. Et comme les leaders des luttes Ferry locaux faisaient l'unanimité et que lui était leur chef, c'est comme ça qu'il était adopté. Ici, bon, vous ne savez pas trouver les inconditionnels. Les inconditionnels, les coups, si vous en avez ces 5 ou 10 personnes, il n'y en a pas beaucoup. Le phénomène des luttes Ferry, il faut le comprendre autrement. Il ne faut pas voir simplement la personne de Kungu. C'est un phénomène beaucoup plus complexe. Et moi qui vous parle, j'ai perdu dedans là-bas des membres de famille. Et ce
c'est pas un très bon souvenir pour nous tous. Je crois quand même pour Kyung lui-même, il regrette cet épisode de sa vie. En tout cas, merci beaucoup. Ce n'était pas ça notre sujet du jour. Maintenant, les sociales des Lualabés ou bien Colossiens, Colossiens, est-ce que les sociales, il est normal, puisque vous le savez que les peuples congolais aiment un leader qui est dans le domaine du social, au lieu de faire beaucoup de discours politiques. Mais quand le social devient un peu quotidien, ça fait un peu du mal. Le gouverneur actuel du Lualaba, Michel Brèche, est l'un des rares à avoir fait du social son champ de bataille. Et il n'y est pas allé par quatre chemins. Il sait que les gens peuvent commercer seuls, les gens peuvent chercher leur vie autrement. Mais lui, il est allé par ouverture à l'agriculture. C'est-à-dire que les gens cultivaient avec des moyens de bord, mais cette année déjà, vous verrez que quand vous venez, vous entrez au Lualaba, vous venez du Haut-Katanga. Dès que vous entrez au Lualaba, vous voyez quand même quelques champs qui vous montrent que vous êtes au Lualaba. Même si vous venez du Haut-Lomami, vous entrez au Lualaba, vous voyez des champs qui vous montrent que vous êtes au Lualaba. C'est-à-dire que le gouverneur a distribué des engrais, à peu près 5000 tonnes de LPK, 3600 tonnes d'urée et à peu près 125 tonnes de semences qui ont été distribuées à travers toute la province afin que tout le monde se retrouve et que tout le monde ait de quoi manger. Donc ça, c'était un premier pied social. Le deuxième pied, c'est que l'année passée, il a beaucoup travaillé, le gouverneur et son équipe, il a beaucoup travaillé à faire les routes. L'année passée, on a fait à peu près 88 km dans la ville de Kolwezi et 97 sur la route d'Ilolo qui est l'épine dorsale de l'économie du Lualaba. Malheureusement, les pluies sont venues tout détruire et là, le gouverneur et son équipe ont su réunir à peu près trois entreprises prêtes à enclencher la route d'Ilolo, une entreprise prête à enclencher la route. Nous parlons de construire des routes avec ouvrage, construire une route avec des ponts. Bon, nous attendons, j'espère que ceux qui vont nous suivre à Kinshasa comprendront la nécessité et l'urgence qu'ont le Lualabé de voir ces routes venir. Parce qu'apparemment, on a comme l'impression qu'à Kinshasa, il y a des messieurs qui ne comprennent pas que nous faisons cette histoire, nous nous engageons en politique pour servir, pour marquer. Et qu'il est dans l'intérêt de tout le monde que ces travaux commencent maintenant. C'est une question, comme le disait déjà les Raïs, c'est une question générationnelle. Ce n'est pas une question de tel ou tel. Il faut se dire qu'à notre époque, nous avons fait quelque chose et que la génération suivante va venir augmenter. Donc il est temps de construire les routes que nous voulons, la route d'Ilolo, que nous voulons, la route de quoi. Et même sur la route, la deuxième épine dorsale de notre province, c'est la route vers Kalamba. C'est-à-dire que Kalamba, c'est la route vers le Kassai. Sur cette route là-bas, nous voulons mettre des ateliers de construction. Là-bas, nous allons faire une route en terre entre Kassai et Kalamba. Donc, il faut mettre un atelier de ce côté là-bas. Et là, il faut d'abord qu'il y ait du cantonnage manuel pour élaguer un peu quelques bourbiers qui nous empêchent d'amener le matériel jusqu'à Kapanga. Parce que nous avons des porte-chars, nous avons des camions qui doivent transporter les engins. Ces engins là-bas ne peuvent pas aller seuls jusque-là pour commencer les travaux. Donc il faut réfléchir. Pour nous, le social, c'est ouvrir les gens à la vie. Et pour nous, la vie souffre par le manger, l'agriculture, et par la mobilité, le transport, la santé. N'en parlons pas. Nous avons réhabilité. À 80% la route de l'hôpital de Mwangeji, qui est l'hôpital de référence. Voilà, nous avons réhabilité l'hôpital de Mwangeji et nous ne réhabilitons pas que l'hôpital de Mwangeji, nous avons donné aussi des médicaments. La régie des eaux n'est pas restée de côté. Nous avons donné beaucoup de pompes. Des pompes ont été données et la régie des eaux a été dotée avec de nouvelles pompes. La SNEL aussi. Nous avons acheté pas mal de transformateurs,
nous leur avons aidé en obtenant la construction d'une nouvelle ligne électrique. Donc nous sommes tout à fait engagés, sérieusement engagés dans le social au Lualaba. Ce n'est pas une question de propagande, mais c'est une question. Ça va, je comprends bien, monsieur Momo. Maintenant, j'ai bien compris que vous êtes étalé et c'est pour ça que je vous arrête à partir de là. On revient à la question politique de l'air. Dans toutes les provinces actuellement, je ne sais pas si dans le Lualaba vous êtes déjà arrivé, il y a des motions dans les assemblées provinciales. Comment vous analysez cela? Tous les députés provinciaux sont contre leur gouverneur. Dans presque toutes les assemblées provinciales, comme preuve, Kinshasa appelait même les bureaux des assemblées provinciales pour aller apprendre la pédagogie même. Comment vous analysez le fait? Non, je crois qu'il faut comprendre les choses. Les assemblées avant, c'était 70. L'assemblée la moindre, c'est quoi? C'était celle d'une province qui avait une cinquantaine à peu près de députés. Avec ce nombre là-bas de députés, c'était difficile d'obtenir un consensus actuellement, facilement. Mais actuellement, avec des assemblées de 20, 30, c'est presque devenu le club d'amis. On peut même corrompre facilement. Non, une ou deux personnes qui sont influentes peuvent parvenir à obtenir parfois. Et il faut dire que les assemblées provinciales sont des assemblées politiques. Donc, ce ne sont pas des assemblées tribales. Non, politique, je n'oppose pas ça à la tribalité. Je veux opposer ça à la justesse et la justice ou carrément les judiciaires. Donc les gens dedans ne se préoccupent pas beaucoup de savoir si ce qu'ils veulent faire est réellement dans l'intérêt, mais plutôt ce qui leur paraît vrai, c'est ce qui les met en condition d'agir de telle ou telle autre manière. Et on a vu que les deux fois où on a eu des motions dans les deux mois ici, c'est-à-dire dans le fois où c'était à Okatang et Olomami, c'était des grossières erreurs de ceux qui ont fait cette motion là-bas. C'était vraiment des erreurs terribles dans la mesure où vous trouvez un gouverneur qui a un fonds et qui veut faire un aéroport. Il écrit, les documents sont là, il veut faire un aéroport. On lui dit, tu sors. Vous comprenez? Donc on est contre. On dirait qu'on est contre le développement de la province. Voilà, de la province, sa propre province. Et un autre gouverneur, on lui dit, oh, il ne donne pas l'argent, il ne donne pas l'argent assez, suffisamment, ceci, cela. Alors que dans le même pays ici, nous avons des provinces qui ont 11 mois, 10 mois d'impaiement. Et les gouverneurs sont là. Oui, les gouverneurs sont là. Les agents font même la grève. L'assemblée est là. Mais vous ici, vous chassez quelqu'un parce que vous dites que, oh, il a volé. Il a volé quoi? Parce que le gouvernement central, lorsqu'il fait la rétrocession, c'est une signature unique plutôt. Et c'est, après toute la procédure, c'est une seule fois que l'on signe et l'argent se répand dans toutes les provinces d'un seul coup. Comment il peut se faire qu'il y ait des provinces avec 11 mois de retard et la vôtre qui a 2 mois de retard? Vous ne saluez même pas les efforts de celui-là. Vous le chassez. Est-ce que les députés même sont informés de ça? Non, mais quand j'en parle, moi, comment est-ce que j'ai fait? C'est simple, non? C'est simple, je vous dis qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait grève encore au sud Kivu, où les gens se plaignaient qu'il n'y avait pas d'argent. Donc, les députés du sud Kivu, eux, ne connaissent pas le... Vous savez, Marcelin, ils ne peuvent pas le chasser. Ils savent que Kinshasa n'a pas libéré. Vous savez, avec les instabilités qu'il y a à Kinshasa, gouvernement tel, et c'est un SA, et c'est un CO, et ceci, cela. Ça fait qu'il y a des instabilités telles que nous avons des difficultés à vivre ici en province. Si on n'a pas d'autres petites ressources à gauche, à droite, on a du mal à vivre. Mais il faut que l'on comprenne que d'abord, les députés ne sont pas des juges et que parfois ils peuvent se tromper parce qu'ils ne cherchent pas des raisonnements au-delà. Ils sont dans une assemblée et il y a une dynamique interne. Ça peut conduire parfois à des erreurs de jugement. D'ailleurs, si la justice elle-même arrive à se tromper, que dire de nos députés?
Maintenant, jusque-là, M. Momo, vous ne voyez pas que c'est un problème entre vous de la majorité présidentielle, puisque quand nous regardons bien toutes ces assemblées-là, elles sont dirigées par les membres de la majorité présidentielle et les gouverneurs destitués sont aussi de la majorité présidentielle. Et vous ne trouvez pas ça aussi que c'est une mauvaise campagne pour les chefs de l'État, puisque tous les bureaux de l'Assemblée dirigés par le gouvernement central, le gouverneur qui a été présenté par la majorité présidentielle, tout ce monde-là, maintenant, il y a confusion, il n'y a pas entente entre ces deux-là. Vous ne trouvez pas que c'est déjà une mauvaise campagne? Non, non. Je vous ai parlé de la dynamique interne des assemblées. C'est pourquoi? C'est pour l'opposer à un mot d'ordre qui viendrait de Kinshasa. Même s'il y aurait des mots d'ordre, ça ne viendrait pas de la majorité. Il y aurait tel qui est cousin à tel, qui aime tel, qui n'aime pas tel, qui dit « moi je veux, aidez-moi, ceci, cela ». Bon, tout ce qui existe en politique qui peut faire qu'il y a. Mais la chose bonne, c'est que cela démontre que Kabila n'est pas le dictateur que l'on présente. On a tendance à dire « non, c'est nous les dictateurs, ils s'imposent ». Ils ne s'imposent pas. Parce que les dynamiques internes ont permis malencontreusement qu'on attaque des quoi. On a vu dans le passé d'autres assemblées qui se sont attaquées à des gouverneurs et la justice les a réhabilités. Espérons que dans le cas d'espèces, ces deux gouverneurs auront eu le temps de demander, n'est-ce pas, que la justice se penche sur leur cas. Parce qu'en fait, en réalité, nous avons un problème. Le problème, ce n'est pas ces gouverneurs. Le problème se trouve ailleurs, c'est au sein de la compréhension et des interprétations des textes par les dirigeants ainsi que les membres des assemblées provinciales. Pas tous d'ailleurs, hein. Pas tous, il faut préciser que tout le monde ne s'est pas trompé. Parfois il arrive en politique qu'on accepte de se coucher, de se pencher à gauche facilement afin qu'on prenne l'élan de bien ramener la balance au centre. Ça va, on laisse la question des provinces, maintenant on va à Kinshasa pour voir ce qui se passe au pays. Comment vous trouvez la procédure de l'investiture du gouvernement Bruno Tshibala? Est-ce que cette procédure était bonne ou mauvaise, selon vous, en tant qu'analyste? Non, l'investiture de Bruno Tshibala, d'abord c'est un homme de l'opposition. Pourquoi voulez-vous que je les défende? Je ne vois pas en quoi je suis intéressé. Et vous, vous défendez quelqu'un de la majorité et non pas défendre les intérêts du peuple? Non, quel peuple, papa? Le peuple congolais qui oui, vous... mais le peuple congolais, il est aussi engagé à la majorité, à l'opposition, un peu partout. Ne croyez pas qu'il existe un peuple qui soit ailleurs que dans la majorité, ailleurs que dans l'opposition. Non, le peuple est souvent appelé à trancher entre les camps. Donc il ne faut pas croire que le peuple... Il y a des gens qui ont imaginé un terme peuple qui devient comme une drogue, qu'ils essayent de vendre et croient qu'ils sont... détenteur d'un peuple qui n'existe que dans leur tête. Oui, maintenant, là, comment vous trouvez la procédure? Elle a été bonne ou mauvaise? Non. Si vous voulez parler des faits qui ont concouru à la désignation de Bruno Tshibala comme Premier ministre, je vous dis oui, c'est bon. C'est bon dans la mesure où la politique doit être refaite dans ce pays. Il y a des gens qui se trompent. Nul n'est indispensable. Même moi qui vous parle, je ne suis pas indispensable. Je suis là pour un temps. Après un temps, je ne serai pas là. Donc, je ne peux pas, moi, croire que la vérité ne soit liée qu'à ma personne. Hein? Et quelle que soit l'ampleur des gens qui sont derrière moi, quelle que soit la conviction que je crée, Mutu Yeshiba, Moto et Zanini, quoi, vous qui aimez le Lingala. Moto ezali respect na baninga. C'est-à-dire que les autres doivent être respectés, quelle que soit leur conviction. Alors il y a des gens qui utilisent un peu de langage, excusez-moi les termes, mais ordurier, hein, parlant des autres, surtout le président de la République. Vous savez, Kabila là, monsieur, moi à la place du président Joseph Kabila, je ne nommerai jamais un homme discourtois. Même en France, ça s'est fait, on cite Hollande, on parle... Non, parler de Monsieur François Hollande. Non, non, les opposants des fois, même les journalistes... Emmanuel Macron, ils parlent de la caricature du président. Non. Quand on caricature le président, on caricature tout le monde. On ne caricature pas que le président.
Mais ici, on croit que c'est le fait d'être président qui devient le problème. Hein? Quand Mobutu était avec moi, moi j'étais adulte, toi tu étais encore enfant. Hein? Moi j'étais adulte. Quand Mobutu était ici, on disait les mâles Zaïwa, c'est Mobutu. Il est parti, les mâles continuent toujours. Les mâles est devenu Kabila Laurent. Les mâles est devenu Kabila Joseph. Mais finalement, être président de devenir le mal dans ce pays, c'est pas ça. Le mal est dans ceux qui disent le mal c'est tel. C'est eux qui n'ont pas la perception nécessaire à faire ce qu'il faut pour que le peuple soit satisfait. C'est ça. Le mal ne peut pas devenir, oh, quand quelqu'un devient le président, c'est lui le mal. Ce n'est pas ça. Il y a un problème foncièrement dans ceux qui se font appeler opposants. Bichoua bien-aimé, mitou et coquité. Voilà. Oui. Maintenant, les jours même de l'investiture du gouvernement Tshibala, nous avons vu l'un des députés du Grand Kamina, Konango, comment il a parlé tout, et la réaction des députés de l'opposition, comment ils sont sortis de la salle. Et comment vous trouvez cette réaction d'abord des députés de l'opposition, en commençant par ce que comme vous avez parlé, et vous vous êtes là, nous avons vu, les sujets autres. Voyez à quel niveau il se rappelle. Koumoulongo, c'est un monsieur que les gens connaissent dans la ville de Mbaché, respectent. D'abord même pas par sa personne, de par le nom de son père, tout cela. Dans l'histoire de la politique du Congo. Mais il vient prendre, devenir un vouvouzélateur. Non, non, il a parlé. Non, mais après, il a pris les tons. Oui, c'est quel niveau? C'était pour vous faire comprendre peut-être les discours que vous n'avez pas suivi. Non. J'ai suivi les discours du début à la fin. C'est un discours, comme on dit, dithyrambique. C'est un discours alambiqué. C'est un discours bancal. C'est un discours d'un estropié qui dit « Mille comme un ilgou à moutera, comme un ilingui sa golo. » Donc, « Moutoua sanga ma golo. » À l'obi, ce qui a c'est le grand intérêt, mais la côte, ça qui veut. Vous comprenez? Il vient parler d'un exclu alors que lui-même était un exclu. La même procédure. Un communiqué est passé en 2012, soit disant que tous ceux qui font un parlement sont auto-exclus. La même procédure, un communiqué va se dire Monsieur Bruno Tshibala pour avoir 500 et auto-exclu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sorti un article du statut de l'UDPS pour dire Bruno Tshibala est exclu en termes de ceci, cela? Mais n'oubliez pas une chose, c'est que pour exclure un membre de parti, moi-même j'ai déjà été exclu dans un parti politique, il faut qu'il y ait en concret, lesquels votent la résolution et à la fin, c'est ce congrès là-bas qui a voté la résolution qui demande au président maintenant d'exécuter. Et là, c'est rien. Au contraire, moi, en tant que Congolais, en tant que patriote, j'ai dit à ceux qui croient diriger l'UDPS que c'est le moment ou jamais, avec la mort du Sphinx, de réunir tout le monde et de faire un grand et vrai parti UDPS. Ils vont les faire comment? Vous ne voulez même pas qu'on enterre les leaders? Non, mais qui? C'est la famille des... Du pouvoir. Mais est-ce que nous sommes liés à cela? Mais vous ne voulez pas, ils voulaient même enterrer à l'air permanent. Non, mon frère. C'est comme une femme... Ils veulent maintenant aller à Kamanga. Non, mais écoutez, quel que soit l'endroit où ils veulent l'enterrer, il n'y a qu'à respecter la loi. La loi de ce pays doit être respectée. C'est pour ce qu'il dit, soi-disant, il se fait appeler celui qui voulait l'état des droits. Mais l'état des droits, c'est perdre la démocratie. Non, pas perdre la démocratie. Quelle démocratie? Congo. Où? C'est fou. Si vous avez maintenant... Le père de la démocratie, c'est lui qui a... Non, c'est pas lui. C'est qu'il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Mobutu, seul devant sa conscience, il l'avait dit, seul devant sa conscience, il a remis le multipartisme qu'il avait aboli. Et de deux, après que lui ait remis le multipartisme, c'est Joseph Kabila qui nous a remis la démocratie électorale. Le droit de voter. Toi, tu as voté pour la première fois sous Joseph Kabila. Si toi aussi tu dis, c'est qu'il perd de la démocratie, je comprends que tu sois aussi peut-être un affidé de l'UDPS, mais ce que je peux te dire, c'est que reviens sur terre, mon frère, la réalité est là, les faits. Ce sont les faits. Maintenant, vous restez avec Bruno Tshibala. Les frères de Bruno qui sont de l'UDPS, opposition, rassemblement et autres, ne les reconnaissent pas. Et ils sortent de la salle, et ils quittent la salle, et vous restez avec lui. Vous faites maintenant l'investiture. Est-ce que vous trouvez que cela a été démocratique? La démocratie, c'est la majorité. Nous, la majorité, nous sommes ouverts.
pour donner la place à l'opposition. Il fallait s'humilier et mériter notre confiance. Il fallait s'humilier. Les gens ne veulent pas s'humilier, c'est tout. C'est un manque de lucidité, un manque de quoi, de perception et de vision pour la plupart. En tout cas, c'est compliqué. Et puis quand ils quittent comme ça, là... C'est une erreur, mon frère. Nous allons faire les élections, nous allons plus regarder ailleurs. Et d'ailleurs, mon souhait à moi, comment les élections posent un problème et qu'on parle beaucoup plus de référendum. Pourquoi ne pas aller au référendum? Finissons avec le référendum. Est-ce que vous trouvez que ce référendum-là peut résoudre tous ces problèmes? Non, le référendum va permettre aux juifs de s'exprimer. Et moi, ma vision, c'est de faire 3 ou 4 constitutions. Les peuples choisissent. Nous sommes presque arrivés à la fin. Il y a d'autres questions qui arrivent, mais ce n'est pas la dernière émission. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez à dire, un message ou une question comme ça pas posée, mais vous voulez dire quelque chose, vous pouvez le dire aux téléspectateurs? Non, je voudrais dire aux téléspectateurs, ce pays nous appartient. Ce pays-là, il est là. Et il est à nous tous. Moi qui passe devant la caméra, je ne suis pas plus important que vous qui êtes derrière. Alors, jugez-moi avec lucidité. Comprenez ce que je dis. Je ne veux pas m'imposer. Moi, je ne suis pas Mundele Ndombe. Je ne suis pas Mundele Ndombe. Je ne suis pas un descendant. Je ne remplace pas les Belges. Je voudrais plutôt que nous bâtissions un pays plus beau avec responsabilité. Donc, je vous appelle Malabé, je vous appelle au Katangé, je vous appelle au Lomami, je vous appelle Congolais de partout où vous êtes. C'est notre pays. Kotika Moninga Amunelayote. Construisons ce pays avec responsabilité et construisons-le en respectant les intérêts de tous les peuples parce que c'est Congo, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et surtout, je condamne avec fermeté ce que je fais au Kassai. Moi, j'ai grandi ici au Lualaba, là où j'étais considéré comme fils de rebelle alors que mon père n'a jamais pris une arme. Ceux qui font des choses au Kassai là-bas, qui insécurisent les femmes, les veuves, qui insécurisent les enfants, ce sont des gens à condamner avec la dernière énergie. Il faut éviter de verser les sang des Congolais, ce n'est pas votre marchandise. Évitons, bâtissons un pays derrière Joseph Kabila, cela ne sera que justice pour nous. Je suis arrivé presque à la fin de cette émission, mais avant de terminer, je vous pose une question que les gens posent toujours. Ils disent que Moumoulapo a beaucoup de fautes du casier. Même dans la dernière émission qu'on a tournée, Moumoulapo a dit qu'il ne partira pas. Il est. Non, mais aujourd'hui, il n'est pas là. Non, Kazembe, je n'ai pas dit qu'il ne partira pas. Il y aura un temps où il partira. Il n'est pas encore parti. Mais la motion ici, c'est une fausse affaire. Vraiment une fausse affaire. Et je crois que même ceux qui l'ont initié, eux-mêmes ne croient plus en cela. Eux-mêmes, personne n'ose défendre cette motion en public. Ni celle d'ici, ni celle du Olomami. Je sais que la dynamique peut faire même qu'on fasse ceci ou cela. Mais les motions pour lesquelles on a... avec lesquelles on a obtenu la suspension de Jean-Claude Kazembe et celle du gouverneur du Olomami ne sont pas justes au sens de la justice du terme. Hein, comme rendre chacun ce qu'on doit, pas ce que l'on veut, pas ce que l'on ressent. Parce que beaucoup de gens agissent maintenant par ressentiment. Tout Fulani, non, Kazembe, il sourit beaucoup. Mais s'il sourit, il a pris vos dents pour sourire. Est-ce qu'il a emprunté les dents de quelqu'un pour sourire avec hein? Oh non, parce que Célestin Mouikabango, il a toujours un coin de lèvres comme s'il est en train de se moquer. Non, mais il a toute sa vie, il a sa physionomie, vous n'allez pas le changer quand même pour ça. Donc il faut éviter, n'est-ce pas, de gérer le pays avec des états d'âme. Gérons le pays avec responsabilité et bâtissons-le de manière à le rendre aux générations futures, de manière à que ces générations aussi puissent penser quoi ajouter à ce pays. Fidèles téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Je vous dis merci, vous l'avez suivi. Lui, c'était M. Momo Moulapo, qui est un haut cadre du PPRD. Il est au cadre de la majorité présidentielle. Et si vous avez aimé cette émission, dites merci à celui qu'on appelle Justin Audien, qui était derrière la caméra. Et c'est lui-même qui a fait la réalisation de cette émission. Moi, c'est moi, Frère Patient. Je vous dis merci et au revoir. À la prochaine. Saya bola mu ya mabota Kongo na yo bendele ya elonga Ezala kalisa pote Bila kazambe la bomoy Kongo na biso bokomona